Bonsoir. Bonsoir. Match de Coupe de Tron. C'est toujours un match spécial, c'est toujours un match différent, c'est toujours un match que nous ne pouvons pas dire que c'est un match de Botola, c'est totalement différent. Alors, nous devons être avec la savoir que tous les scénarios sont possibles. La possibilité d'aller à l'extra time, la possibilité d'aller aux penalties. Pour nous, nous devons savoir que notre équipe doit continuer avec la tête forte, avec la capacité mentale pour savoir que ça c'est match de Coupe de Tron. C'est pas comme commence le match. Le match, nous devons savoir que s'il y a la difficulté, tout le respect pour Tanger parce que je connais très bien que c'est une bonne équipe. Alors, pour moi, c'est pas une surprise que le match est difficile, c'est pas une surprise que Tanger a fait le but. C'est pas une surprise que le match s'est pas gagné dans les penalties. Alors, je pense que c'est clé que l'équipe connaisse cette situation et arrive à le match avec la capacité mentale de savoir la difficulté du match et que c'est un match que peut faire comme ça. Arrive à les penalties, l'équipe a continué avec la capacité mentale de savoir que c'est une possibilité. Il n'y a pas la surprise de dire oh, c'est très mauvais que nous sommes dans les penalties, nous devons gagner 4-0. Non, c'est pas comme ça. L'équipe connaît que c'est difficile, que la Coupe de Tron, même quand toujours non à votre terrain, à votre stade, visitant avec un public comme Tanger qui fait beaucoup d'appui à son équipe, c'est un match difficile. Finalement, la victoire, c'est pour nous, je pense que mérité. Pourquoi? Parce que l'équipe a continué avec la capacité mentale de continuer dans le match. Le but de Tanger a fait très rapide. C'est un but que peut chancer le match, mais nous devons continuer avec comme ça fait. Le match s'est commencé à être plus ouvert, aller, retour, chance pour Tanger, chance pour nous. Nous avons travaillé jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière action, ballon arrêté. Et finalement, le match nul, et finalement, dans les pénalties, je pense que l'équipe a montré une grande personnalité, un grand caractère, une grande capacité pour compétir.